Hey yo, salut les amis, c'est Mercos, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gagner un maximum d'unités. Donc, pour commencer, il y a trois méthodes principales pour gagner des unités. Donc, la première, faire des quêtes. La deuxième, faire tous les événements solo et d'alliance. Et enfin, les arènes. Ce sont les trois principales méthodes pour gagner des unités. Donc je vais vous les détailler facilement et simplement pour vous expliquer en quoi ça rapporte énormément d'unités. Donc la première méthode, ça va tout simplement être de faire des quêtes. Premièrement, en fait, quand vous allez faire une quête, donc vous allez gagner en général 5 unités, voire 10 unités au premier passage. Et ensuite, une fois que vous terminerez la quête à 100%, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous allez gagner de nouveau des unités, donc en général entre 10, 15 au début, et ça peut pousser jusqu'à 20 comme là on peut le voir. Donc c'était une quête, l'acte 4, chapitre 1, quête 2. C'est l'image que je vous montre actuellement. Donc ça, c'est la première méthode. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'histoire et dans les quêtes d'événements également, c'est pareil, vous allez pouvoir gagner des unités. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce tutoriel. Les quêtes. Donc là, on peut voir, donc c'est les quêtes actuellement, c'est les quêtes d'alliance. Donc nous, cette image a fait partie des quêtes d'utilisation d'objets. Elle est valable pour les trois quêtes de 3 jours, donc utilisation d'objets à terme et série d'arènes. Donc à chaque fois sur le troisième gain, vous allez pouvoir gagner 25 unités. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et ensuite, vous allez voir tout de suite, c'est les quêtes solo. Donc les quêtes solo, exactement pareil, elles permettent de gagner, donc en général ça va être sur la quatrième, c'est sur les quêtes donc de 22 heures, vous allez gagner 25 unités également. Donc ça, c'était la deuxième méthode. C'est très facile, il suffit de jouer pour faire ces méthodes là. Voilà, et enfin on arrive donc sur la dernière partie de ce tutoriel, celle qui est la plus rémunératrice, ce sont les insignes de combat et donc les cristaux d'arène. Tout simplement, à chaque fois que vous allez faire des combats d'arène, donc en général ce qu'on appelle les VS, vous allez gagner donc 300 insignes de combat par partie. Et donc à chaque fois que vous allez gagner un combat, vous allez gagner, également gagner selon le niveau de l'adversaire. Donc 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et enfin, donc, en ouvrant ces cristaux, vous allez pouvoir découvrir beaucoup, beaucoup d'or et beaucoup, beaucoup d'unités. Donc là, vous pouvez voir sur 100 cristaux, donc 200 000 insignes de combat, j'ai gagné 510 or. C'est 510 or, qu'est-ce que je raconte? 510 unités. C'est juste énorme. Voilà. Donc maintenant, vous savez, vous avez les trois techniques pour gagner un maximum d'unités. Et ce sont moi les techniques que j'utilise pour gagner un maximum d'unités. Un conseil, si jamais vous voyez cette vidéo dès la sortie, faites la quête de Chloé, donc la quête d'événement. Elle rapporte un max d'unités. Vous pouvez facilement faire, allez, au moins chapitre 1 et 2 si vous commencez donc le jeu. Et le chapitre 3, il est difficile, mais allez au maximum, ça rapporte. Vous utilisez 6 énergies et vous gagnez un maximum d'unités. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Vous avez toutes les infos et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye les amis.